Communiqué officiel. La voirie de la ville d'Likassi connaît à ces jours une dégradation prématurée suite au passage des camions en surcharge alors qu'elle n'a pas été conçue pour ce type de trafic. C'est pourquoi le gouvernement provincial, soucieux de cette situation, a pris la résolution d'instituer l'usage de ponts bascules mobiles à travers la ville afin de protéger la dite voirie, en interdisant la circulation des camions transportant une charge de plus de 30 tonnes sur la voirie urbaine et plus de 40 tonnes sur la traversée de la route nationale numéro 1 en sigle RN1. Ces mesures seront d'application dès ce samedi 19 février 2022. Ministère provincial des infrastructures, urbanisme et habitat.